Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Sophie Menu, on va faire la part belle aux agrumes avec vous ce midi. Alors c'est une vaste famille, hein, les agrumes, il y a papa agrume, non, ce sont des fruits, ce sont des fruits en général très appréciés par les grands comme les petits. Moi j'ai un petit faible pour les clémentines. Oui, alors il y en a ici. On s'en fout. Non, on s'en fout pas, c'est pas vrai Mélanie, vous êtes pas gentille. Non, mais merci pour la transition, merci parce que ces agrumes que je vous ai apportés aujourd'hui viennent du Maroc. Ah. Ils ont été cueillis il y a moins de 72 heures et c'est une nouvelle boutique où je vous engage à aller, s'appelle L'Agrumiste, rue de Sèvres à Paris. C'est le royaume magique des agrumes. En fait, le propriétaire et le fondateur de cette boutique, Laurent Bougaba, a eu envie, il a un verger. Génial. De plus de 100 hectares et il cultive 250 variétés d'agrumes. Et voilà, et j'en ai apporté un petit échantillon. Bon, nous on connaît bien les basiques, hein, Julien, on a compris qu'elle aimait les clémentines. Mais sinon, citron orange, pamplemousse, combien y a-t-il de fruits qui rentrent dans la catégorie des agrumes alors finalement ? C'est énorme, ouais. Il y a plus de 5000 variétés en fait. Ce sont les fruits les plus cultivés au monde, parmi ceux que l'on consomme régulièrement. Alors, 110 millions de tonnes sont produits par an, avec sans grande surprise, 60% d'orange, hein, c'est la plus grosse consommation. Et plus de 90% de la production des agrumes est consommée sur place. Ce qui est bien d'ailleurs, bah je trouve, dans leur pays d'origine. Alors, pour les oranges, par exemple, qu'on a en ce moment, c'est vraiment la pleine saison. Si vous allez sur les étals, vous allez déjà pouvoir trouver la navelle, la valencia, la sanguine, la mer. Oui, mais pourquoi il y en a tant, des agrumes ? Ça suffirait s'il n'y avait que des clémentines. Oui, mais c'est ça, pourquoi il y a tant de... Comment choisir ? Comment choisir, c'est vrai. Alors, au départ, il y a 4 groupes qui sont à l'origine de toutes ces espèces, et c'est lorsque l'homme les a croisées sexuellement que d'autres variétés se sont créées. Par exemple, l'orange est issue du croisement entre mandarine et pamplemoussier. Vous avez dit sexuel, Julien, elle est choquée, elle imagine des oranges et des clémentines. On les a forcées à se mettre ensemble, quoi. Voilà, bon, c'est-à-dire que c'est plus naturel que ça, il n'y a pas eu de copulation. Non, c'est de la chimie, Julia. Alors, comment on a pu les répertorier ? Vous avez dit quoi ? 5000, c'est ça ? 5000 variétés. C'est faux. Ouais. Alors, c'est un gros travail mondial, à l'échelle mondiale. Mais en Corse, alors je sais que vous aimez tous la Corse. Bah oui. Et les clémentines. Exact. Alors... Julia est restée fixée sur les clémentines. Elles sont bonnes là-bas. Hein. Alors, sur la côte est de la Corse, l'INRA, qui est l'Institut National de Recherche Agronomique, a créé et a installé dans les années 60 un magnifique laboratoire d'observation, une collection d'agrumes, avec 1200 variétés qui sont cultivées en plein champ sur 13 hectares. Et en fait, ce conservatoire, ils ont rapatrié des espèces qui étaient avant dans les colonies françaises, Maroc, Algérie, parce que c'est des climats qui s'y prêtent. Et ils travaillent en fait sur justement des nouvelles espèces, des nouveaux croisements, sachant que même si il crée une nouvelle espèce, il faut au moins attendre 20 ans qu'elle soit commercialisée. Donc elle n'aura pas tout de suite les nouvelles clémentines. Non, il va falloir attendre. Ouais, c'est pas grave, j'en ai en rab. Et côté citron, en cuisine, on s'en sert comment ? Alors, côté citron, il y a des milliards de choses à faire, mais je vous engage, c'est bientôt la fête du citron à Menton. Vous connaissez le carnaval de Menton, évidemment. C'est génial. Ouais. Et c'est fabuleux. Alors, ça commence le 12 février, donc je vous conseille d'aller le voir. Une petite escapade. Et alors, côté citron, je voudrais vous faire peut-être une démonstration, d'ailleurs. Alors, je vous ai apporté pomelo, je vais vous le faire passer, vous allez voir comme c'est bon, comme c'est acidulé. Je vous ai apporté, tout ça c'est l'agrumiste qui me l'a préparé, ce magnifique plateau. Oh. Un cake aux agrumes, je vous le fais passer pomelo, aussi. Hein. Oh là là. Vous avez vu comme c'est bon, comme c'est parfumé. Est-ce qu'il est sucré ? Évidemment, comment vous appelez ça déjà ? J'ai un trou. Des oranges. Et puis je voudrais vous faire un petit tour avec ces agrumes. Est-ce que vous connaissez cela ? Oh, pas du tout, c'est quoi ? C'est de la main de Bouddha. Ça ressemble. Alors, il n'y a pas de pulpe à l'intérieur. On le coupe en lamelles fines. Et puis, dans votre verre à côté de vous, vous avez un sirop d'agrumes. Et surtout, je vous ai apporté la confiture extra de Christine Ferber au Tangelo. Christine Ferber, vous la connaissez tous. La papesse. La papesse, la reine, la fée des confitures. Elle est à Niedermorschwihr. Et elle travaille avec l'agrumiste qui lui fournit en direct en fait, les agrumes qu'elle prépare. Oh là là, excusez-moi, c'est de la part de qui le cake ? De l'agrumiste. Eh ben, on l'aime beaucoup. Eh ben, on fait un gros bisou bon alors à l'agrumiste. La confiture d'agrumes, c'est ma préférée. Et alors, je vais vous faire quelque chose aussi. J'ai apporté beaucoup de matériel aujourd'hui. Attention, l'arme fatale, un microplane. J'adore. Et j'ai découpé des petites tranches de poire et je vais vous râper un tout petit peu de citron lime qui est. Enfin non, je sais pas si c'est. D'ailleurs, c'est pas un citron lime. Pardon, c'est plutôt une bergamote. Et je vais vous la mettre sur la poire et vous allez voir la différence en fait quand on zeste, parce que c'est ça tout le plaisir des agrumes, c'est qu'on peut tout utiliser en fait. Le zeste, la pulpe, la chair. Mmh. Et tous les grands chefs le font. Mais la chance qu'on a maintenant, c'est justement de pouvoir se fournir nous particuliers, parce que les grands chefs, ils avaient tout ça.
Mais pas nous. Mais oui, maintenant on est équipés. Alors je vous fais passer, vous allez voir, ça va être dingue. On va manger de la poire comme jamais en fait. Même avec une poire, on peut la twister avec de la grume. Oui, c'était un exemple, mais sur un carpaccio, on peut mettre évidemment des zestes. Alors les mains de Bouddha, je vous l'ai dit, on peut faire confire aussi la chair dans du sucre. Exactement, le yuzu, vous connaissez, hein, c'est un agrume. Mmh. Puisque en fait, Laurent Bougaba, il a fait venir aussi des agrumes d'ailleurs qui viennent beaucoup d'Asie. Qui fait pousser chez lui maintenant. Qui fait pousser, comme le yuzu, le kombava, qui ne sont pas forcément au départ des agrumes qu'on trouve au Maroc. Oh, c'est bon. Mais cette confiture, donc c'est à quoi Tangelo là? Tangelo, c'est une variété en fait d'agrumes. Alors, ce que je vous ai apporté, ça c'est des petits Tangelolo. Ah, Tangelolo. Oh, c'est mignon. Oh, regardez, on dirait des bébés clémentines. Exactement. Bébés clémentines. Et dire qu'on va les manger. On mettra ça bien sûr en vidéo sur nos réseaux sociaux. Hein, alors, c'est un citron rose. Ça, vous savez évidemment, c'est une orange sanguine. Je vais trouver une petite mandarine. Clémentine. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre la clémentine et la mandarine, alors, vous savez? Bravo, la clémentine, on en avait parlé, c'est une hybride en fait. La mandarine avait beaucoup de pépins et on a cherché une variété qui n'en avait pas. Donc c'est un hybride en fait entre l'orange et la mandarine qui a fait la clémentine. Est-ce que vous pourriez nous donner la recette? La recette du cake, il est trop bon le cake. Écoutez bien, elle est notée, alors c'est carrément la recette de l'agrumiste. Alors, dans un cul de poule, vous estez 3 agrumes de votre choix. De saison, évidemment. 3 clémentines, hein, je crois. vous ajoutez 3 œufs et 150 g de miel liquide et bien doux. Vous ajoutez le jus et les zestes des agrumes, vous mélangez bien. Vous ajoutez 250 g de farine et un sachet de poudre à lever, une petite pincée de sel. Moi, j'aime bien ajouter aussi un peu d'eau de fleur d'oranger pour jouer le truc. Et 15 centilitres d'huile d'olive, hein, parce que les agrumes, ça pousse quand même dans les pays du soleil. Vous huilez un moule à cake, vous mettez la pâte et vous faites cuire pendant 40 minutes et vous avez ce résultat à combien divin. À 180 degrés. Bravo, Julia. Moi, je suis. C'est pour une copine, quand je vais lui demander de le faire, elle s'appelle Mélanie Gomez. J'en étais sûre, elle me regarde. Je vous ferai un cake aux agrumes, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, Kevin? Ça nous fait déjà un petit peu voyager. Vous l'écoutez encore, Kevin? La poire avec le citron, vous avez vu, les zestes, c'est délicieux. Et vous savez ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu mettre une petite cuillère de confiture de Christine sur le cake au citron. Et qu'est-ce qu'on boit là? Alors, c'est un sirop d'orange à la baie de Timur. Tout ça, en fait, ça vient de l'agrumiste, parce que l'agrumiste, il décline plein de choses. Donc, vous pourrez trouver chez lui des thés, des infusions, des sirops, des confitures. Je ne sais plus, il y a J'avais plein de choses. Je ne savais même pas que ça existait comme métier agrumiste. Ouais. C'est un nouveau métier qu'il a inventé. Mais c'est beau, non? Il faut avoir une conversion. Une centaine d'hectares. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Sophie, pour ce coup de projecteur. Donc, sur les agrumes, c'était une chronique toute sucrée, toute vitaminée. Ah oui. Merci pour la dégustation également. On va poursuivre avec encore des bons plans, rien que pour vous. Il y aura déjà les conseils écolos de Perrine Brami concernant les masques chirurgicaux. On en a tous passé des centaines depuis 2 ans et c'est pas terminé. Alors justement, elle a trouvé des alternatives, des masques plus respectueux pour l'environnement. Et c'est pas l'option juste masque en tissu, hein, vous verrez. Et puis il y aura aussi la chronique voyage de Gavin Clémenté Ruiz. On va partir au Maroc. Les frontières vers ce pays sont à nouveau ouvertes. On vous propose donc une petite escapade dans le désert. On décolle dans un instant et c'est sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue avec nos chroniqueurs du jour, toujours avec nous en studio. Et à présent, c'est à vous de jouer, Perrine Brami. Vous allez nous parler d'un accessoire qui est devenu notre quotidien. On en a tous consommé des centaines, que dis-je, peut-être des milliers, j'ai pas compté, mais vous avez trouvé mieux du côté des masques. Hein. Ouais, si je vous dis que c'est l'accessoire le plus tendance du moment, on en porte tous, tous les jours et on d'ailleurs, en peut plus, malheureusement. On n'en peut plus, ouais, c'est ce masque anti-Covid qui pour mémoire est toujours obligatoire hein, dans les endroits fermés au bureau ou dans les transports en commun par exemple, ils doivent être changés tous les 4 heures hein, pour une efficacité maximale. Du coup, à ce rythme, on en consomme, tenez-vous bien, 129 milliards chaque mois dans le monde. Ça donne le vertige. Hein. Ouais, c'est dingue. Alors, s'il est très utile pour nous protéger du Covid, en revanche, pour ce qui est de la nature, c'est une véritable catastrophe. Hein. Oui, parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à les recycler, ces masques. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont généralement composés de papier et de fibres plastiques, comme le polypropylène et le polyester. Alors, vous allez me dire... Le papier, ça va. Le papier, ça se recycle. Ouais. Le plastique, la plupart du temps aussi. Mais le problème, c'est que dans les masques, en fait, ces matières, elles sont mélangées. Et du coup, c'est compliqué de les dissocier pour les recycler. Bilan, 40 000 tonnes de déchets non recyclés, c'est ce qu'ont représenté les masques en 2020, selon la Direction Générale de la Prévention des Risques. Et là,
je ne vous parle que des masques qui finissent à la poubelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, les masques chirurgicaux, c'est dans la poubelle verte avec les déchets ménagers. Mais vous faites bien de le rappeler parce que quand on se promène en ville ou à la campagne d'ailleurs, de nombreux masques finissent abandonnés sur les trottoirs, au bord des routes ou sur la plage. Et ces masques-là, bien sûr, s'ils sont souillés, eh ben, ils propagent bien évidemment le virus, mais surtout, ils finissent leur course dans le caniveau, direction la rivière et ensuite la mer. Et là, c'est des pièges mortels pour les animaux marins à cause des microfibres plastiques qu'ils dégagent quand ils se désagrègent. Alors, on estime qu'il faut entre 400 et 500 ans, pas moins, à un masque pour se décomposer dans la nature. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'empreinte environnementale des masques? Il y a quand même des alternatives ou tout jetables ou pas, Perrine? Oui, oui, heureusement, il y a des masques un petit peu plus respectueux de la planète sans pour autant sacrifier à l'efficacité. Il existe par exemple des masques chirurgicaux qui sont biodégradables. Alors, ça ressemble à un masque Masque blanc chirurgical. Exactement. Que vous nous montrez. Il ressemble au même que j'ai dans ma boîte classique. Tout pareil. Classique, hein. La seule différence, c'est la composition. Ce sont des polymères biosourcés, des fibres de canne à sucre et d'amidon de riz. En plus, ça se mange, non? À titre de comparaison. Julia, ça l'intéresse plus. Ouais. À titre de comparaison, je vous disais donc 400 ou 500 ans pour se désagréger dans la nature. Lui, c'est seulement une petite année. Et mais côté efficacité, ça donne quoi? C'est aussi probant que les autres? Oui, oui, ils sont classés dans la catégorie 2R, hein, c'est-à-dire qu'ils filtrent plus de 98% des particules et ils résistent aux éclaboussures. Ils sont commercialisés par Biomedtech. On les trouve dans certaines pharmacies et sur Internet. Et ils coûtent entre 3 et 5 euros le sachet de C'est pas si cher que ça. Je m'attendais à un prix exorbitant. Pour et le même, coup, l'emballage, même l'emballage, il est conçu en carton écologique avec de l'encre végétale. Bon, alors, le seul petit hic, c'est que pour l'instant, ils sont encore fabriqués en Chine. Mais il y a un autre fabricant qui promet, lui, un modèle similaire, Made in France, ce sera pour avril, donc un petit peu de patience. Bon. Perrine, Perrine, je crois que vous avez trouvé aussi un masque en chanvre. Ça, j'adore, c'est une passion pour le chanvre. 100% made in France qui est déjà disponible. Elle veut celui-là, Julia. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ça vous irait bien. Il ne s'agit pas d'un masque chirurgical, mais vous voyez, c'est un masque type bec de canard. Il fait plus rustique, hein, celui-ci. C'est l'entreprise Géochanvre. Ça doit c'est l'entreprise Géochanvre qui le fabrique génial. En Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est chez nous. C'est du chanvre donc français, cultivé sans pesticides à moins de 200 km du lieu de production. Et voyez, c'est un feutre filtrant qui est végétal. Il lui donne une petite couleur grise. Si vous n'avez pas la vidéo sur Internet, hein, je peux vous le décrire. Effectivement, on dirait comme un masque un peu pantoufle, je dirais. C'est du feutre. Julia est très belle avec son bec de canard. Un petit canard. En feutre, c'est ils très sont très confortable et mais très respirable. Mais est-ce qu'on peut respirer? Mais allez-y, essayez-le, vous allez nous dire. Moi, je respire très bien. Il y a un voile protecteur à base d'amidon de maïs. On peut les utiliser et les réutiliser. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que quand ils sont abîmés, on ne les jette pas, on les composte soit dans le bac génial. À compost, soit directement dans la terre. Sophie, c'est vrai, plutôt bien. Ça a l'air épais, moi aussi j'avais un doute. Mais... C'est un masque d'hiver, je dirais. Donc, non seulement le masque dans la terre, une fois qu'il est dans la terre, il va disparaître très rapidement, environ 2 à 3 semaines selon son fabricant, mais en plus, il va enrichir la terre. Et ça, c'est quand génial même pour mon potager, bien. Ça, j'adore. Et puis, si en plus vous n'avez pas de jardin, bah, vous pouvez toujours le renvoyer à l'entreprise qui gère leur fin de vie. Bon, bah, ça fait pas très, très crédible ces masques qui sentent un peu. L'odeur de la balle de tennis. Pourquoi vous dites ça? Il y a un petit côté baba cool, ça vous va bien, Julia, merci. Je trouve. Mais là aussi, filtration vraiment très efficace, 98%. Ils font partie de la catégorie UNS1, c'est la même catégorie que les masques en tissu homologué. Une boîte de 100 masques, ça coûte environ 37 euros. On peut les acheter déjà montés, comme on le voit, ou bien on peut les assembler soi-même. Il y a juste 3 petites pliures. Oui, un petit atelier masque, des petites mousses, des élastiques. Ça se fait super bien. Il s'en est déjà vendu 1 800 000 et on les trouve uniquement sur le site internet de la marque. Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Que vous embrassez. Que je les embrasse. Voilà. Merci Perrine pour tous ces conseils et ces nouveautés du côté des masques, nouveautés vertueuses pour la planète que nous sommes ravis d'avoir découvertes grâce à vous. On espère toujours partir un peu plus loin après les réouvertures des frontières. Et puis, les vacances ont déjà commencé dans certaines académies de France. C'est bientôt la Saint-Valentin aussi. De multiples occasions, hein, tout ça pour se tourner vers vous, Gavins Clémenté Ruiz, notre expert voyage. Vous travaillez au Guide du Routard. On se prend pour Lawrence d'Arabie ou Christine Scott Thomas dans Le Patient Anglais, on file dans le désert, c'est ça? C'est ça, et c'est génial, le Maroc réouvre ses frontières. Ce sera le 7 février, après 2 mois de fermeture quand même. Donc c'est quand même la bonne nouvelle dans le tourisme en ce moment. Et alors, on ne sait pas encore les conditions d'accès. Est-ce qu'il faudra faire un PCR? Est-ce qu'il faudra faire On saura ça quand? Là, on va le savoir je ne veux pas dire dans les heures, mais presque dans les heures, les jours à venir. Et comme ça, après, on pourra partir. Parce que c'est vrai que le Maroc, ça reste quand même une valeur sûre, moi, je trouve, pour le tourisme et pour
un voyage réussi. C'est le dépaysement garanti, pas loin de la France. On est en 3-4 heures et puis tout d'un coup, on est au milieu de la place Jemaa el-Fna, si on arrive à Marrakech ou alors ailleurs. Vous allez dans le désert, vous avez le sable, rien pour il vous. Il fait combien de degrés à peu près là en ce moment? Le matin, c'est 14-15 et à midi, on est à 20. Hein, et en ressenti, à mon avis, on peut monter à 25. Hein. On peut être en t-shirt. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, vous avez eu envie de nous faire rêver encore un peu plus. Ouais, j'avais envie de vous emmener dans le désert, tout simplement, parce qu'on peut arriver à Marrakech et prendre un sidecar avec Marrakech Insiders, et ça, c'est génial. Vous êtes au Grand Café de la Poste. Ah, on l'entend, le sidecar, il est là. On est au Grand Café de la Poste, ils viennent vous chercher, ils sont super, hein, vraiment, et ils vous expliquent tout sur une vieille carte, on dirait qu'ils sortent ça de leur malle, et puis ils vous expliquent où vous allez aller. Ça dure une journée, hein. C'est quand même 6 heures, hein. C'est quand même dense. On n'est pas crevé quand même, 6 heures en sidecar? Non, franchement, vous faites des pauses, hein. Vous pouvez faire des petites pauses en bivouac, vous pouvez prendre un petit thé au thym, par exemple. Il y a du thé bio que vous pouvez goûter dans une ancienne école coranique qui est vraiment très, très belle et que vous allez découvrir. C'est à une demi-heure de Mais je dois le conduire moi parce que je... Non, d'accord. Moi, je ne suis pas très douée. C'est des engins motorisés. Soit derrière le chauffeur, soit à côté dans le sidecar. Mm-hmm. Et ça, c'est génial. Si vous avez des enfants, je vous conseille. C'est vrai? Mais c'est génial. Et on va dans le désert? Exactement. C'est à une demi-heure de Marrakech, dans le désert d'Agafay, plus précisément. Et là, vous allez arriver dans un bivouac. Il y a le camp Scarabeo, par exemple. Vous pouvez faire un stop. Et là, vous pouvez soit dormir, ça c'est possible, mais vous pouvez surtout boire un thé, manger, faire une petite excursion en dromadaire. Ça marche pas mal. Et il y a aussi la séance méditation. Vous êtes seul face au désert. Vous avez la dune rien que pour vous, le sable. Là, vous allez pouvoir vraiment respirer. Et partir. Et bien avec les enfants, vous le conseillez ça ou pas? Carrément, faites-le. J'ai envie de dire même, surtout avec les enfants, parce que c'est vraiment le bon moment pour y aller, ils vont adorer. Sophie, j'ai eu la chance de le faire en fait à Shanghai, parce que ils sont aussi à Shanghai. Julia, je vous conseille de monter derrière lui parce qu'il est vraiment très beau gosse en plus. Oui, mais vous avez connu celui de Shanghai, nous, il est à Marrakech. C'est le même, c'est Thomas Chabrière qui a fait ça. Et je l'ai connu aussi à Shanghai. Il fait ça. Il est adorable en plus. Il est adorable. Et vous confirmez, il est beau gosse? Très. Mais il n'y a que lui qui conduit? Ah non, il a plusieurs insiders, comme il appelle. Il y a plein de chauffeurs pour ces sidecars. On s'est un petit peu égaré là. On va revenir sur le sidecar. Faites-nous rêver, mais combien ça coûte pour une journée, alors, tout ça? 350 € pour deux personnes pour 6 heures. C'est vraiment. C'est pas donné non plus, mais c'est vraiment une expérience unique. Vous ne ferez pas ça deux fois dans votre vie. C'est vraiment un beau moment si vous êtes en famille. Vous avez 450 pour l'aérien et vous avez 350 pour cette petite expérience. Bon. C'est des vacances, on en profite, on s'est restreint pendant 2 ans là. Ouais. Et si on veut, par exemple, descendre un peu plus au sud encore, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je vous propose d'aller dans le Sahara occidental, et pas loin de la frontière avec la Mauritanie. Là, on va aller à Darla. Darla, c'est à... Darla Dada, non? Darla, elle est en forme. On est à Darla. Il y a des vols Paris-Darla en direct. Alors, pas encore, mais bientôt, ça va revenir. Sinon, c'est 5-6 heures pour y aller, en avion. Darla, vous êtes dans un petit isthme. Au bord de l'eau, il y a une espèce de lagon devant vous. L'eau est bleue, mais d'un bleu européen, hein, j'ai envie de dire. Vous trouvez pas que la chaleur a augmenté dans ce studio là? Tellement incroyable. Et là, il y a une adresse qui s'appelle le Darla autochtone, et c'est une espèce de maison d'hôte avec du tadlak au mur. C'est typique. Il y a les salles de bain en marbre, il y a le béton ciré au sol, et vous avez la vue là sur l'eau. Vous pouvez vraiment passer un moment vraiment délicieux. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Vous avez dit le mot lagon, déjà vous m'avez envoûté à ce moment-là. On ne fait rien. On peut se reposer. Que dalle. Si vous êtes, j'adore. Si vous êtes un peu sportif, vous voulez quand même faire du kitesurf parce que ça souffle. Donc ça, c'est pas mal. Si vous êtes en famille aussi, encore une fois, ou alors si votre amoureux, je ne sais pas, il veut aller faire du kitesurf, pourquoi pas. Et on peut manger quoi? Parce qu'on aime bien manger, nous, des agrumes avec Sophie, ça, on a compris. Au Darla, ils viennent de sortir un livre qui s'appelle La cuisine de l'Oasis, cet hôtel. On a des chroniqueurs connectés les uns entre les autres. Je crois que vous êtes allé dans cet hôtel. Non, malheureusement, j'ai reçu que le livre. Mais le livre est magnifique. D'accord. J'imagine qu'on y mange bien. On y mange super bien. Moi, il y a une chose que j'adore, je pense que Sophie va être d'accord, c'est la pastilla au lait. J'adore ça. C'est des régressif feuilles... à souhait. C'est des feuilles de brique, c'est de la crème à la fleur d'oranger, et dessus vous mettez un peu d'amandes grillées en dessert. Vous pouvez le refaire à la maison, c'est vraiment super. Non, mais c'est génial. Pastilla au lait, c'est incroyable. Excusez-moi, mais je vais casser le délire. Ça coûte de l'argent, ça coûte combien? Alors, à peu d'aller près... à l'autochtone à Darla, ça coûte à peu près 100 € la nuit. C'est pas pour deux personnes. Donc vraiment, ça reste un rêve. Elle est en train de réserver là, je crois. Ça y est. Mais par exemple, si j'y vais avec mon fils, c'est pas bizarre?
C'est un truc d'amoureux ou c'est on peut y aller... Non, on peut y aller avec qui on veut. D'accord. L'essentiel, c'est d'être bien face à l'eau, face à la mer, pas loin du désert. Eh bien, super, vous m'avez convaincu. Merci beaucoup, Gavin, pour cette escapade qui nous a fait rêver. On ne sait pas si on va y aller, mais c'est tout comme, hein, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous avec Mélanie. Nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, de quoi va-t-on parler demain? Alors, Julia, demain, au programme du très, très, très pratique dans l'émission. L'électricité et l'énergie, en général, nous coûtent de plus en plus cher et c'est encore plus le cas en hiver. Donc dans Bienfait pour vous, on a décidé de vous donner tous nos meilleurs conseils pour alléger la facture et certains seront assez inattendus, je vous en dis pas plus. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarmes.